Notre-Dame de la Joie. Le pape François invite en ces jours l'ensemble du peuple de Dieu à se souvenir de son bien-aimé prédécesseur Saint Jean-Paul II. Le pape Saint Jean-Paul II nous a appris, écrit encore le pape François, à marcher avec joie, malgré les difficultés sur les chemins du monde, en suivant les traces des géants qui nous ont précédés, dans la certitude que nous ne sommes pas, que nous ne serons jamais seuls. Saint Jean-Paul II a été, nous dit le pape François, un grand témoin de la miséricorde de Dieu, et il est beau de se souvenir de lui de façon simple, 15 ans après sa mort, 100 ans après sa naissance. En ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre, nous dit-il en pleine pandémie du coronavirus, je vous encourage à vous confier à la divine miséricorde, à l'intercession de Saint Jean-Paul II et à la tendresse de la Vierge Marie. Laissons Saint Jean-Paul II guider aujourd'hui notre prière à Marie. Adressons-nous à elle avec les mots mêmes de sa prière. Je te salue, Marie, femme pauvre et humble, bénie du Très-Haut, Vierge de l'Espérance, prophétie des temps nouveaux, nous nous associons à ton hymne de louange, pour célébrer les miséricordes du Seigneur, pour annoncer la venue du règne et la libération totale de l'homme. Je te salue, Marie, humble servante du Seigneur, Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe. Enseigne-nous à persévérer dans l'écoute de la parole, à être docile à la voix de l'Esprit, attentif à ses appels dans l'intimité de notre conscience. Je te salue, Marie, femme de douleur, mère des vivants, Vierge, épouse auprès de la croix, nouvelle Ève. Sois notre guide sur les routes du monde. Enseigne-nous à vivre et à répandre l'amour du Christ. Enseigne-nous à demeurer avec toi auprès des innombrables croix sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. Je te salue, Marie, femme de foi, première entre les disciples, Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père. Enseigne-nous à construire le monde de l'intérieur, dans la profondeur du silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel,
dans la fécondité irremplaçable de la croix. Sainte Marie, Mère des croyants, prie pour nous. Amen. Accueille, ô Mère du Christ, ce cri chargé de toute la souffrance des hommes, chargé de la souffrance des sociétés entières, que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde la puissance infinie de l'amour miséricordieux, qu'il arrête le mal, qu'il transforme les consciences, que dans les cœurs, que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'espérance. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.